definizione romanziere e agronomo, giusto? Romanziere, se scrivo dei romanzi tristissimi, ma questa volta vi leggerò qualcosa di meno angosciante. Mais en français, vu qu'on est là, et c'est justement une nouvelle à propos du fait d'être entre deux pays. Le titre est « Ce pays qui me fuit ». Au cours de ma vie adulte, j'ai presque toujours vécu à l'étranger. J'ai déniché un travail et je me retrouvais à l'étranger. J'ai rencontré une fille et je me réveillais dans un lit étranger. J'allais à la mer et les panneaux indicateurs de la plage étaient écrits dans une langue étrangère. Je me mariais et bien évidemment, personne ne parlait italien. Une véritable persécution. Moi, par mon caractère et mon signe du zodiaque, je serais plutôt quelqu'un qui vit tranquille dans ses pantoufles, dans la ville cataleptique où il est né. Depuis mon enfance, les déplacements m'ont toujours paru physiquement et psychiquement dispendieux, et surtout tout à fait inutiles. Fondamentalement, je déteste les voyages. Je ne suis pas non plus très porté sur les langues. Je me serais très volontiers défilé. Non merci, à la télé il y a quelque chose qui m'intéresse. Et pourtant, pour une raison ou pour une autre, j'aimerais trouver au milieu d'un désert, à perte de vue, dans l'air vicié d'une métropole cacophonique, dans une pampa parsemée de vaches énigmatiques. C'était toujours à l'étranger. Les gens s'en font des idées très fausses. Ils s'imaginent que l'étranger est un endroit où tout est toujours beau, où l'on se trouve très bien, par définition, où on est constamment en vacances. Oui, tu as vraiment de la chance, me disent-ils, suggérant que je devrais avoir honte de mon privilège. J'ai t'envie, soupire-t-il, après avoir parlé longuement de la situation de notre pays, désormais dans une interminable phase terminale. Amuse-toi en pensant à moi, me recommande-t-il. Ils n'ont aucune idée de ce qu'habiter à l'étranger signifie. Faire sa vie à l'étranger, c'est comme s'amputer une partie de son présent, la partie la plus importante. C'est comme avoir un trou noir à la place de son enfance, des lieux auxquels on tient de plus, les visages parmi lesquels on a grandi. Un précipice qui engloutit les saveurs les plus mémorables, les odeurs les plus évocatrices, les émotions les plus troublantes. À force de vivre depuis si longtemps dans un pays étranger, on finit par apprendre la langue forcément. D'abord, on mémorise comment on dit bière, pain, copulation et toutes les choses de première nécessité. Puis, on apprend aussi les noms d'une myriade d'autres trucs, y compris ceux qui n'existent pas dans ton pays, comme par exemple les sauterelles sautées à la poêle, les pinces en bois pour fermer les moustiquaires. Dans une certaine mesure, tu commences à saisir les finesses des expressions locales, des insultes, de quelques proverbes. Tu t'exprimes plus ou moins couramment. Mais c'est comme si tu portais un costume qui te sert aux aisselles, dont les boutons se coincent dans les boutonnières, à l'étoffe rugueuse. Tu as beau tirer dessus ou les faire ajuster, il reste inconfortable. Il a été fait sur mesure, mais pas pour toi. Tôt ou tard, il va te trahir. Tu peux en être certain. Il baille à laine, par exemple. Encore un paragraphe. À l'étranger, on vit, on fait comme des enfants qui ne savent ce que tout le monde sait et qui sont toujours à deux doigts de dire une bêtise. Tu sors un commentaire qui te semble venir à point nommé et autour de toi, on se met à sourire avec suffisance, exactement comme avec les petits enfants. Mais cette fois-là, l'enfant c'est toi, un enfant grand et gros, incongru, monstrueux. Quand quelqu'un habite à l'étranger, les autochtones le prennent pour le typique représentant du pays d'où il vient. Je suis d'un blond filasse, j'ai les yeux bleus, j'ai toujours détesté le football, je n'aime pas la pizza. Et chez moi, on ne mangeait jamais les spaghettis parce que ma mère était idéologiquement contre. Mais où que j'aille, on attend de moi que je sois l'italien typique.
Si je ne fais pas ce qu'ils attendent de moi, et ce qu'ils font pour, ils sont déçus. Bientôt, je peux lire dans les yeux le doute. Peut-être ne suis-je pas un vrai Italien, ou du moins un échantillon suffisamment probant. Comme quand on reçoit à la maison une livraison et qu'on s'aperçoit qu'on a fait une mauvaise affaire. Comme un champignon qui, quand on les regarde de près, s'avère gruyant de petits vers. Avant de partir pour l'étranger, j'étais un gars assez marrant. À l'école, j'étais celui qui n'a pas souvent de bonnes notes, mais qui sort des blagues qui font pisser des rires toute la classe. Dans ma famille aussi, j'étais toujours celui qui disait des conneries qui faisait rigoler tous les autres. Ça fait plaisir de faire rire les gens. C'est bon pour l'estime de soi. On peut alors se la péter un peu. Au moins, je les fais rigoler, dit-on. Depuis que je vis à l'étranger, je ne fais plus de blagues, plus une seule. Ou plutôt, je me la raconte dans ma tête et je ris tout seul, avec un air parfaitement sérieux. J'ai essayé, bien entendu, mais jamais personne ne rit. C'est bon, c'est juste pour... C'est une nouvelle, justement, tirée du recueil Autisme, qui n'est pas traduit Autisme, qui n'est pas traduit en France, pas publié encore en France. Grande Giacomo. Allora, prima di terminare con Giuseppe.